petit lapin. On vient de s'engueuler. Du coup, ça me met en joie pour commencer une vidéo. J'espère que vous allez bien. Regardez-moi ce soleil et ce ciel magnifique. Pas un seul nuage. Bon, bien sûr, plein d'avions, ça, ça n'a pas encore empêché de voler. Allez, suivez-moi. On va vous montrer ce qu'on a fait hier. C'est pas fini, mais je vais vous expliquer tout ça. Alors, hier matin, non, c'est vendredi. Vendredi, ouais. Monsieur P est arrivé chez nous avec 17 arbres fruitiers à planter qu'il nous a offerts. Donc, c'est très gentil de sa part, mais du coup, il faut les planter. Donc, il me les a emmenés hier, donc du coup, dans la journée, j'ai pas eu le temps. Mais donc, hier après-midi, donc, il y avait Driss qui était avec nous toute la journée. Donc, on en a profité de sa présence pour qu'il nous aide à planter tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a tiré des cordeaux, on les a espacés de 6 mètres à chaque fois, il me semble, ouais, à peu près. À peu près comme ils sont dans le verger à l'origine, comme l'ancien propriétaire avait fait, c'est très bien. Donc voilà, on les a espacés tous à peu près de 6 mètres. Et les diagonales, là, elles n'ont pas l'air de 6 mètres quand même, je ne me rappelle plus. Enfin, en tout cas pour ici. Enfin bon, bref, on s'en fout. Ils sont espacés de 6 mètres. On a creusé, j'ai essayé de faire un mélange terreau-terre et on avait aussi une espèce de mélange, alors, je ne peux pas vous dire ce qu'il y avait dedans, c'est Roland qui m'a fait ce mélange, à base de bouse de vache, principalement en tout cas, ça sentait beaucoup ça, mais donc on a trempé un petit peu les tiges dedans, les racines dedans. Un mélange terreau-bouse de vache quoi. Ouais, c'est ça. Terreau, bouse de vache, et puis bah, c'est tout. Et il nous restait un vieux sachet de cornes de vache là, que l'ancien propriétaire nous avait laissé. Donc ça fait 4 ans qu'on se traîne ce sachet, là qu'on ne se sert pas. Donc en fait, on a tout foutu dedans et au moins, voilà, ça ne traîne plus. Après, d'ailleurs, il faut qu'on les arrose, on ne les a pas encore arrosés. On a mis, Driss a mis plein de broyat au pied, bah, histoire de, là, quand on va les arroser, garder le plus possible d'humidité. Et on est en train de planter des piquets afin de les protéger des volailles et surtout des oies. Puisque ici, là, si vous repérez, on est chez les volailles, hein, du coup, chez les oies et chez les poules. Donc, c'est un parc dans lequel elles vont venir. Donc, pour pas que les oies nous défoncent les arbres avant qu'ils puissent grandir, du coup, on a mis 3 petits piquets. Donc ça, c'était mes anciens piquets de tomates. Donc, on va en refaire d'autres parce qu'on n'en a pas assez. Et donc, un grillage à poules, tout simplement, agrafé. Et puis, dès que les arbres seront hors de portée des oies, on enlèvera tout ça. Le broyat, c'est aussi, il faut le dire, là, c'est pour éviter la concurrence racinaire. Ah oui, 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 le broyat, oui, c'était bon pour garder l'humidité. Enfin, ça, vous êtes au courant, hein, garder l'humidité, éviter que ça repousse tout de suite l'herbe autour, les ronces, tout ça. Parce qu'on a mis quand même une brouette à chaque fois. Et du tout. Ah oui, Alexis veut que je vous dise que ça crée un environnement mycorhizien. Mais je pense qu'en fait, à chaque fois que tout le monde en parle, ça... Enfin, je sais pas, je trouve que c'est une soupe qu'on nous rabâche à chaque fois. Ah ben oui, oui. Oui, bon. Oui, bah, moi, la soupe, ça me fait chier. Ensuite, on a fait pareil ici. Ah ouais, c'est vrai. Alors, sur cette partie, c'est uniquement des pommiers. Voilà. Donc là, je sais plus combien on en a sur cette partie. Il y en a 7 ou 8, je sais plus. Je sais plus combien. 3, 6, 7, 8, 9. Il y en a 9. Voilà, ici, alors la majeure partie aussi, pardon, je croyais que je t'avais foutu un coup de portail. La majeure partie des arbres ici aussi sont des pommiers, en tout cas pour la partie basse. Alors, il y en a un là, je sais pas si c'est toutes les mêmes variétés du coup. Monsieur P, il a pas trop su me dire, à part pour ces deux là, il y a deux grands, il m'a dit que c'était des grands, des plein vent, voilà, et les autres sont un peu plus petits. Voilà, comme pommier. Et là, il y a un poirier CD, je ne sais plus quoi, de comice, là. Hop. Ah, des poires doyennes du comice, voilà. Donc, je pense qu'on n'a qu'un poirier. Et tout le reste, c'est le pommier. Et ici, bah, je t'ai dit, je crois qu'on en a 17. 17 arbres au total. 17, donc c'est quand même un beau cadeau, hein, si tout le monde prend bien. Ça nous fait quand même une superbe économie, quoi. Et ça double le verger, d'un seul coup, quoi. C'est vrai qu'on se posait la question de ce qu'on allait acheter comme arbre et tout.
Bah, c'est sûr que c'est un budget, quoi. Et ouais, c'est carrément un budget. Bon, jusqu'ici, on achetait des arbres quand même qui faisaient 1,70 m à peu près, et c'est 30 € l'arbre. Donc ça commence à faire cher, quoi. Et l'année dernière ou l'année d'avant, j'en avais acheté 3. Ouais, c'est ça. Plus les vignes, enfin bon, ça m'a coûté 200 balles, quoi. Donc ça va vite. En plus, les vignes sont foutues, alors ça fout les boules. Ah merde, tu veux que je passe par les volailles. Donc voilà, c'était une superbe après-midi. Bah, on remercie encore Driss de nous avoir aidés. Le pauvre, on l'a fait transpirer, on l'a fait faire des sauts de terre, des brouettes de broyat et tout. Donc c'était cool. Il y en a qui payent pour ça. Ouais. Il y en a qui payent 300 euros la journée. Bon. On était des salauds, on vous fait payer pour venir bosser chez nous, bande de bâtards. Ah mais lui, il nous a emmené une superbe épaule d'agneau. Ouais. Voilà. Bah, il a quand même payé au final. Je vous ai fait une petite vidéo sur l'épaule d'agneau qu'on a cuisiné, mais alors c'était du rapide puisque on a fait ça juste avant le live, c'était un peu chaud. Hop, on n'a pas fini de ranger notre bordel d'hier. Hop. Ça va, tu suis Alexis ? Bon voilà Alexis, vous en avez parlé, hein, l'IBC et tout, tout fonctionne très bien, voilà, c'est impeccable, je branche mon tuyau, je remplis mes arrosoirs, j'ai déjà eu à nettoyer un abreuvoir dans l'évier, donc voilà, ce qui est bien c'est que je suis à hauteur, je me casse pas le dos, j'ai ma petite brasse, j'ai mon petit point d'eau qui arrive dedans, impeccable, franchement je suis très contente de ce point d'eau, ça me facilite la vie, en plus c'est beaucoup plus à côté des lapins, des poules, alors que l'autre côté, c'était pas très bien organisé, quoi. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a un petit problème. Ouais, écoutez, c'est des choses qui arrivent. Hein, quand on sait que c'est lapin, donc on y regarde une première fois à 3 mois. Et souvent, c'est pas facile de déterminer. On voit pas tous, en fait. Donc, on a essayé de séparer à peu près voilà, ce qui était femelle-femelle, mâle-mâle. Et il y a eu quelques couacs quand même. Et du coup, là, c'est la première fois que ça arrive. Et j'espère que ça n'arrivera pas de nouveau. Et là, du coup, on a deux femelles qui... Enfin, celle-ci, elle est en train de faire le nid. Donc, elle les a pas fait. Et elle les a fait le 11 avril. Donc, ça tombe pile poil au 5e mois. Donc ça fait chier. Après bon voilà, c'est des lapins qui vont faire de la viande certes, mais voilà, il faut pas s'en resservir comme reproducteur. Hein. Tous ces lapins vont être tués et mangés. Après j'espère qu'il y en a pas beaucoup parce que comme vous voyez, on n'a pas beaucoup de cages et j'ai déjà utilisé toutes mes séparations. Donc là, dès que il y en a quelques-uns, là. Les trois là déjà, à mon avis, on va pouvoir les manger. Bah, les deux, non, puisqu'il faut qu'elles nourrissent leurs petits pendant au moins 8 semaines. Et celui-là, je vais pas le manger tout de suite parce qu'il est tout petit, donc voilà. Donc bah ouais, c'est un petit peu la merde, mais bon, écoutez, c'est ça arrive. Hein. J'ai appelé mon père, voilà, il m'a dit ça arrive, mais lui il m'a conseillé de chaque portée d'avoir de tous les séparer directement. Comme ça déjà ça pose pas de problème de d'attaque entre eux en fait, parce que le lapin belge quand même c'est assez violent quand même, ils sont assez mauvais entre eux, et effectivement à chaque fois que j'en ai eu deux ensemble, même que ce soit deux femelles ou deux mâles, et ben ils se mordent en fait, donc du coup c'est impératif d'avoir assez de cages pour les séparer directement, voilà, au bout de 8 semaines quand ils sont sevrés, c'est bien de les mettre un par un. Voilà. Il faut qu'on double le nombre de cages qu'on a, quoi. Ouais, complètement. Et voilà, plus tard dans l'avenir, donc déjà ici ce sera un petit peu la nurserie, voilà, et donc on fera reproduire ici. Les petits au bout de 8 semaines seront séparés, voilà, jusqu'à ce qu'ils aient un petit peu la taille et enfin le poids pour qu'ils soient assez robustes pour aller à l'extérieur. Et voilà, et on fera tourner à l'extérieur que les lapins qu'on va manger. Et plus tard, dans l'avenir, on mettra en place des clapiers mobiles, au moins pour les reproducteurs, parce qu'ils restent là voilà, plusieurs années, et du coup, c'est pas cool. Eux, comme ils restent 5-7 mois en cage, c'est pas très grave. Hein.
Voilà. Et du coup, bah, mon petit point d'eau, là, Alexis, vous en avez déjà parlé, ça va super bien. Ça me permet de remplir mes bouteilles tout de suite, voilà, sur place. Et tu peux faire gagner du temps. Oh, il me fatigue. En fait, Alexis, il comprend pas. Déjà, c'est pas, il y a pas un débit de fou, mais bon, il y a quand même un bon débit. Mais voilà, c'est des bouteilles d'un litre 5. J'en ai, tu vois, 2, 4, 6, 8, 9. Mais j'aime bien prendre soin de mes animaux, Alexis. Mais toi, tu comprends pas le temps que ça met, en fait. Merci, mon amour. Oui. Toi, tu fais le tour avec ta chienne, tu dis, allez, ça y est, c'est fini. Oui. Moi, je regarde mes poules, je regarde les poules rouges, je regarde les mangeoires, je regarde les abreuvoirs. Je nourris les lapins. Je vois combien il y en a de lapins, là. 9. Et puis, peut-être plus, puisqu'il y a déjà une portée. Ah oui, pardon. Moi, je passe, là. C'est mon petit passage. Enfin, bon, du coup, on va gérer, hein. Écoute, c'est des problèmes qu'il faut gérer. Et puis, ça va se gérer comme tout le reste. Hein. Et on va essayer, du coup, que ça se reproduise pas. Et du coup, de trouver suffisamment de cash pour pouvoir les séparer et les mettre un par un au bout de 8 semaines, quoi. Bon, du coup, comme vous savez, c'est la crise et du coup, la décision de faire ou pas un potager, ben, on fait un potager, hein, on n'a pas le choix. Et puis, non, on n'a pas le choix. T'as de l'argent, toi ? Non, mais c'est pas une histoire de ça, c'est une histoire que j'ai trop envie de le faire. Mais déjà, j'ai trop envie de le faire, donc je fais ce que je veux. Et en plus, ah bon, tu fais ce que tu veux ? Oui, je fais ce que je veux. Oui. Ah bon ? C'est pas ce que tout le monde content. Dit, ça. Non, ouais, du coup, on va faire un potager. Hein. Là, pour l'instant, il n'y a pas énormément de choses en terre, hein, puisque forcément, nous, les gelées sont pas passées. Donc, les pommes de terre, c'est bien après le 15 mai. Ici, c'est un carré vide où il y avait les carottes. Donc ici, on fera des haricots, mais du coup, grimpants. Et on les fera en pois sec, comme ça, on n'aura pas à s'en occuper. Enfin, on va essayer de rallonger le micro-arrosage afin de vraiment avoir peu de travail en fait sur les haricots. Tu voulais pas montrer un peu l'osier là qui a bien pris ? Ah, oui, si tu veux. C'est pas celui-là que j'ai planté. Non, je sais bien, mais il est joli là. Oui. L'osier qu'on avait déplacé, qu'on avait mis là-haut, et du coup, il n'était pas très bien. Il n'était pas très bien surveillé, il n'y avait pas de bâche au pied. Il n'avait pas très bien grandi parce que forcément, au pied, avait poussé toutes sortes d'herbes, de ronces. Donc forcément, ils n'avaient pas beaucoup pris. Et là, depuis qu'on les a mis ici, voilà, on a fait une butte de terre, hop, une sur bâche. Enfin, j'ai mis une butte de terre et j'ai bâché, j'ai mis une petite bordure de pierre et j'ai remis mes saules ici. Je les ai taillés, fin d'hiver là pour pouvoir faire des boutures pour le talus là-haut qu'on vous avait déjà montré. Donc là, ils sont repartis, c'est joli, c'est beau. Un jour, ils seront énormes et puis on fera peut-être des paniers. Là, les groseilles, c'est parti aussi. Enfin, non, ça, c'est deux cassis et un groseillier au milieu. Donc, c'est plutôt cool, ça. Ça tout repart bien. D'ailleurs, celui-là, je pensais qu'il était mort, mais en fait, il repart bien. De toute façon, les groseilliers repartent toujours plus tard que les cassis. Hein. Ce matin, du coup, je me suis mis à faire mes semis. Ce que je voulais faire vendredi, mais il y a eu beaucoup de monde vendredi. Tout le monde s'est passé le mot pour passer nous voir. Donc, j'ai vu des amis, j'ai profité de mes amis, mais j'ai pas profité de mes semis. Qu'est-ce que j'ai planté ? Alors, des betteraves rouges. Ouais, j'ai choisi de les faire en petits machins parce qu'au final, l'année dernière, Roland m'avait passé des plants et je trouve que ça se repique bien. J'ai choisi de faire comme ça cette année parce que souvent, quand tu les mets en ligne, je trouve que c'est le bordel, faut éclaircir et tout. Alors que là, tu mets plan par plan, au moins c'est déjà éclairci. Quoi. Dès qu'ils sont bons, tu les mets en terre, tu te fais une belle ligne. Barquette à poisson, alors ? Ouais, du coup, à Super U, à chaque fois qu'on y va ou des trucs comme ça, on va chercher des cartons. Des fois, ils sont en train de sortir des caddies entiers de caisses à poisson en polystyrène. Parce qu'en fait, j'en ai super marre de faire plein de godets avec des cagettes, tu vois.
Je remplissais toutes ces cagettes et tout de godets. Et puis en fait, c'est de la récup, ça aussi, les cagettes. Hein. Pareil, c'est de la récup derrière Super U. Voilà. Je sais plus à quelle période on les récupérait. Là, en ce moment, il n'y en a pas bien. On garde un oeil sur les poubelles. C'est ça, oui. À chaque fois qu'on passe toujours derrière Super U, voilà, carton. Des millionnaires qui font les poubelles. C'est ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des. Donc, ça, c'est des betteraves fourragères. J'ai fait des butternuts, des potirons, des concombres, des potimarrons et des courgettes. Et normalement, j'avais fait des. Ah oui. T'as oublié les courges de Siam? J'ai pas de courges de Siam. Non, cette année, j'ai vraiment décidé de me concentrer que sur trois variétés, mais petites. À la base, je voulais faire que deux variétés. Je voulais faire juste potimarron et butternut. Donc, c'est les graines que Clément m'a offert. La ferme du Caire Blanc, ouais. Biogerme. Oui, c'est Biogerme. Ouais. T'as arrêté de me couper. Désolé, non, mais parce qu'il faut bien penser à tous les détails. Oui, oui, mais il pose des questions. De toute façon, il aime bien poser des questions. Non, mais parce que Biogerme, il faut en parler, parce qu'il est super sympa, quoi. Il vous a filé de quoi faire. Mais d'ailleurs, je vous ai fait des petites images là-bas de mes tomates. Donc, j'ai mixé. Je ne peux pas tout mettre les graines qu'on m'a offert cette année. Il y a Jaco et Lily qui m'ont envoyé aussi beaucoup de graines de tomates. Donc, je les remercie encore. C'est un super cadeau parce qu'en plus j'avais décidé de renouveler toutes mes graines de tomates cette année, donc entre Biogerme qui m'a fait ce cadeau et Jaco et Lily, du coup j'avais beaucoup de tomates, donc j'ai fait le tri, j'ai un peu mixé entre celle de la ferme du Caire Blanc et celle de Jaco et Lily, donc je crois que j'ai planté à peu près 45 pieds de tomates et qui sont à l'intérieur de la maison, donc je vous ai fait normalement quelques petites images, je sais pas où Alexis vous les calera. Bref, j'en étais à mes potimarrons et mes butternuts. Je voulais mettre que ces deux variétés parce que c'est des petites courges et du coup, je veux plus faire de citrouilles, de trucs, de... L'autre, il filme son chat. Moumoune avec ses dreadlocks. Je veux plus faire de gros trucs parce qu'en fait, c'est trop lourd. Et puis, voilà, quand on les coupe et tout, il faut en manger beaucoup. C'est chiant et puis ça se garde moins bien. Et du coup, j'ai vu avec Roland, et Roland, lui, il me dit que voilà, les potimarrons, déjà, ça se conserve mieux, c'est vrai que c'est plus pratique, et en plus, c'est meilleur. Et en revanche, voilà, je voulais faire des butternuts, mais Roland, lui, il m'a dit que la saison ici n'était pas suffisamment longue pour que les butternuts arrivent à terme, quoi. Donc, j'en ai quand même fait un petit peu, je vais essayer, hein, ma foi, qui tente de rien à rien. Et pour pallier au fait que peut-être ils n'arriveront pas au bout, j'ai mis des potirons, voilà. Donc, et si jamais les butternuts fonctionnent, et ben je ferai que butternut et potimarron. Voilà. Et ben c'est tout. Hein. Et après, en bas, c'est du basilic. Voilà. Juste montrer la température là, du brûlant. Ouais. Parce que là, en ce moment, ça fonctionne à plein. Quoi. 41 degrés, là. Ouais, là, on est à 41 degrés, quoi. Ouais. Donc là, je peux dire... On monte à 50, hein, des fois. Ouais. Oui, le maximum que j'ai atteint, c'est 50. C'est déjà pas mal. Parce que montrer, en fait, qu'il a pas bougé, quoi. Non, c'est vrai que ça, de toute façon, je vous ferai une vidéo dédiée au brûlant parce que quand même, il mérite largement. Donc, en fait, ouais, là, voilà, ça. Là, tu vois, il a un petit peu terni quand même parce que bon, il a pris la neige, mais bon. Ben, en fait, c'est juste que lui, au début, il mettait de la lasure et la lasure, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc maintenant, il est passé au saturateur, donc il n'y aura plus ce problème-là, en fait. Du fait que ça déteigne, mais dans tous les cas, en fait, c'est du bois exotique, donc ça pourrira pas, même si le bois est plus protégé, ça va juste griser et c'est tout, quoi. Oui, et puis celui-ci, Gérald nous l'a passé, mais c'était un prototype à la base, c'était pas un truc qu'il avait. Il a rien changé dessus, il a rien changé à part ça, d'accord. À part le fait qu'il met de la saturation à la place de la lasure. Ok. C'est bon, tout. Mais en tout cas, voilà, en dehors de ça, et puis bon, il n'y a pas beaucoup à repeindre, il n'a absolument pas bougé, on a pris la grêle, le gel à -9, pluie, vent, il a pris des rafales de vent, il n'a pas bougé, je ne sais pas combien il pèse par contre. Et bon, en tout cas, il fonctionne super bien, et je pense que cet été, si on a pas mal de récoltes, il va tourner plein régime, quoi. Je vous ferai plein de vidéos, hein, si cette année... La dernière, c'était pas évident de vous faire plein de vidéos, parce qu'on a eu un temps de merde et très peu de récoltes, donc j'ai pas eu beaucoup de choses à faire sécher dedans. J'ai fait des tests aussi, et puis on avait beaucoup de boulot, donc c'était pas évident de gérer les deux, mais j'espère vraiment que cette année, ce sera possible. Et puis après, même si les légumes viennent pas de notre jardin, il y a toujours ces caisses à 1 € à Lidl, là. Qu'il faut traiter assez rapidement puisque c'est forcément des fruits et des légumes qui sont en fin de vie, quoi. Les U, pour l'instant, on n'a rien mis. Je pense que ce sera l'emplacement des courgettes cette année.
Voilà. Dans ce carré, il n'y a rien sous la bâche, il y a juste les épinards qui sont de l'hiver dernier, mais ils sont pas vilains, hein, donc pour l'instant je les laisse. Mais là, le fait de les arroser un peu, ça, je pense qu'ils sont en train de monter avec la chaleur là, qui arrive. Dessous, là, c'est encore mes petites salades. Hein, je vais pas enlever toutes mes pierres pour vous montrer, vous savez ce que c'est que des salades. Hein, donc c'est pareil, les salades que Biogerme m'ont fournies. Pareil ici pour le persil, alors ça sort pas vite, est-ce que je l'ai mis un peu trop tôt? Je verrai, de toute façon, je peux le semer jusqu'au mois de juin. Donc ça se fera jusqu'au mois de juin. Et ben c'est tout à peu près ce que j'avais à montrer. Parler juste du fait là, qu'il faut absolument qu'on s'occupe de mettre la cuve à eau là-haut. Ouais. Là, j'avais fait des... comme je vous ai expliqué, les saules, là. Les saules. J'ai fait plein de boutures. Le saule tortueux devant. Alors, j'en ai pas fait beaucoup du tortuosa parce que... 1, 2, 3, 4. Parce que pour l'instant, il est encore petit. Et puis, ça me peine de lui couper des grosses branches. Donc, ouais, si tu veux. Et donc, du coup, là, j'ai fait plein de boutures pour les multiplier. Hein, parce que quand même, le saule, je trouve ça très joli. Et puis, en plus, au printemps, tu vois, ils font des petits chatons et tout. J'aime trop ça. Ici, c'est des cassis, groseilles et casseilles. Et c'est pour Monsieur P. Parce que il m'en avait demandé, donc là j'en ai fait 12, et puis s'ils en veulent d'autres, il m'a dit que non, mais s'ils en veulent d'autres, je leur en ferai d'autres. Et puis voilà. Puis là après, c'est tout des restes de semis. Là, vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo sur les boutures de bambou. Ça n'a pas marché. En fait, ça n'a pas marché, et puis en plus, je les ai complètement laissés tomber, je m'en suis pas occupée du tout. Et puis après, ils sont restés sous 60 cm de neige, je ne sais pas combien de temps. Donc, c'est pas grave, j'aurai bien le temps d'en faire, quand j'aurai le temps d'en faire. Ah si, on a loupé là-bas, ici, quand Kevin et Fanny ils étaient venus pour le live, ils nous avaient fait cadeau d'une cagette de topinambour. Donc on les a mis dans ce carré, je sais plus combien il y en a. Enfin bon, du coup on verra bien si ça prend, parce que c'était quand même limite pour les mettre. Bon, si ça prend, ça prend. Parce que ce carré, il est un petit peu excentré de tous les autres carrés, donc je préférais les mettre là, un petit peu sur l'extérieur du potager, que ce soit un endroit où j'ai pas trop à aller, et puis même si ça envahit ici, ça envahira pas trop loin, parce que là c'est bâché, là c'est bâché, là c'est bâché. Normalement, ça devrait rester dans le carré. Et comme il y en avait beaucoup, beaucoup, on en a mis ce qui restait des toutes petites. Là, j'ai mis les plus grosses. Et les toutes petites, on les a foutues comme ça en vrac vers le composteur. Comme ça, au moins, si ça prend. Par contre, j'ai mis pas mal de... On a mis pas mal de fumier parce que... C'est quand même assez gourmand, quoi. Et l'année dernière, non, c'était quoi quand on est arrivé, il me semble, c'était en 2018, on en avait planté, mais on s'en est pas suffisamment occupé. Puis on a planté ça presque au milieu de la pelouse et tout. Alors faut bien tondre, faut bien désherber, donc ça c'est un peu galéré. Et en plus, ça s'est fait bouffer par les rats. Bref, ouais, le tortuosa, il est là. Hop. Donc on en avait un avant là où on habitait, et à chaque fois, il reprenait pas beaucoup, je trouvais. À chaque fois, il fallait lui refaire une taille de fou. Enfin, c'était un peu pénible. Qu'il était en terre argileuse. Ouais, je pense qu'il s'en sortait pas trop. Et lui, du coup, aussi, on l'avait mis là-bas avec les autres. Et je m'attendais à ce qu'il ait fait une racine de dingue. Alors moi, ce que j'avais fait avant de le déplacer, j'ai pris la pelleteuse, hop, je me suis mis là, j'ai creusé un trou de dingo, j'ai été le déterrer. L'autre, il avait une tige comme ça. Vous dire qu'il a de la place, donc là au moins il a de la terre meuble sur tout ce carré. Donc là il a l'air de bien repartir. Ça a juste gelé il y a pas très longtemps, donc là il a eu un peu de mal, mais bon, c'est encore vert. Donc et puis en bas il est super vert, donc il est pas foutu. Hein. Donc j'espère qu'il reprendra bien, parce que ça c'est super joli. Et puis les branches en plus sont super chouettes, donc on peut faire des chouettes bouquets avec ça. Ouais, je vous avais dit que pour Pâques, je vous ferai une petite composition. Mais désolé, juste pas le temps. On a trop de chantiers, on a trop de trucs. Puis j'ai une tonne de vidéos à faire et il faut trancher, quoi. Mais je vous montrerai une petite composition, vous inquiétez pas. Et nulle part. C'était ça, on avait montré les boutures de machin. Et toi, tu voulais montrer... Ah oui, la cuve. On va parler rapidement de la cuve, on verra plus tard.
Juste expliquer qu'on va partir sur une cuve souple, comme on avait dit. Ouais, la cuve fuel là-bas, donc on vous a expliqué qu'on va pas mettre ça. Déjà, bon, c'est pas très chouette. Et puis en plus, on n'a pas réussi à la ravoir, comme c'était prévu. Hein. Même si on avait réussi à bien enlever, ça pue quand même. Donc il est hors de question qu'on arrose le jardin avec ça. Ça servira comme cuve de stockage de fuel, toujours. Et on va mettre donc une cuve souple qu'on va acheter pour remettre en haut là-bas sur l'espèce d'esplanade qu'on a fait afin de faire un château d'eau pour le jardin. On va manquer d'eau, c'est sûr. Et ouais, parce que cette année ça va être quand même chaud. Là on n'a pas commencé, c'est le début du printemps, c'est déjà sec comme je sais pas quoi, il n'y a pas de flotte quoi. Donc il est impératif qu'on se mette une cuve pour tirer dans cette source parce que les IBC voilà, ils vont pas être remplis souvent. On a beau avoir mis tout en place, je pense que le peu de pluie qu'on aura, ce sera jamais assez pour faire toute la saison. Donc on va essayer de s'en sortir comme ça. Voilà, t'avais encore quelque chose à dire? Oh bah, tu peux remercier les tipeurs, tu peux demander des pouces bleus, tu peux demander des abonnements et tu peux leur dire qu'il y a des t-shirts qui vont arriver. Ah oui, c'est vrai. Ah mais tu leur as dit hier ça? Oui, mais personne suit les lives. c'est pas tout le monde qui suit les lives. Ok. Bon, eh bien, écoutez, j'espère que ce petit JDB vous aura plu. Je vous invite à vous abonner, à mettre des pouces bleus. Bah, écoutez, on va vous remercier aussi pour les dons que vous nous faites sur Tipeee. Franchement, c'est super sympa. Vous êtes quand même nombreux, quoi. Donc c'est cool. Et on est en train de mettre en place des t-shirts pour faire des contreparties sur Tipeee. Donc là, on a vu avec un imagier ou un imagier. Illustrateur. Ah ouais? T'es sûr que c'est pas marqué imagier? Peut-être. Ouais. Enfin bon. Du coup, qui nous a fait un super dessin. Et là, il est sur le point d'être terminé. Il nous a envoyé un petit dessin hier pour nous montrer, donc on en est super content. Il faut qu'on valide avec lui et puis après il faudra voilà trouver les t-shirts, mettre en place, savoir combien on va les faire payer, enfin bon, bref, tout ça on vous en reparlera. Je vous remercie de m'avoir écouté, bonne journée et puis bisous, à bientôt mes petits lapins.